Storytellers Fam. Ça veut dire juste ça. Juste ça veut dire me retourner là quand même content. Alors, et comment situation est-elle pour vous-même et Chili? Bon, très bien. Très bien. Ça belle expérience. Donc, nous retournons dans le pays avec l'autre maille. Nous allons avancer. Alors, quand même, expérience, elle n'est pas mauvaise? Pas vraiment. Sauf que, il y a un haut, il y a un bas. C'est la vie, mais nous résidons. Mais pour qu'ils soient fait choix ou même pour ne pas arrêter Chili? Bon, tu sais que moi, je trouve. Comme je l'ai dit, c'est d'ailleurs pour me donner une importance là quand même, mais je retourne là quand même. C'est une fierté d'être là quand même. Parce que Mabdou nous fait un pile de stratégie, il y a un pile dans nous là qui fait un pile de transactions, prêter l'argent en banque pour nous bâtir. Pour qui ça nous bâtit? Je prends qu'on est en pile, nous attendons sur Facebook en pile qui vivent aux États-Unis, nous avons dit c'est parce que nous voulons travailler. Non, ce n'est pas ça. Parce que si nous avons bien regardé, nous avons regardé la République Dominicaine, il y a des petits haïtiens qui sont là. Ça fait ça parce que nous avons regardé plus ou moins. Mais si nous voyageons dans le Chili, qui est haïtien qui a voyagé, qui a aimé pour le déporter de tête pendant ce temps, imaginez, nous avons une résidence. Nous sommes chauffeurs de camion, nous sommes au Chili, nous faisons tout ça, nous avons besoin de millions de personnes pour me faire licence. Chili, nous avons un camion, malgré ça, nous n'avons aucun respect pour nous. Et que haïtien, on peut dire camion, on descend sous camion pour faire n'importe quel travail. Bon, on pique quoi pour aller piquer pendant ce temps. Nous, si on contrôle avant, c'est chauffeur camion. Ça veut dire qu'il n'y a aucun respect pour nous. Et plus encore, notre travail, c'est comme si on était touché en goutte ou dépensé en dollars. Vous comprenez? Comme si on touchait 20 000 personnes là, tout ça m'acheter, c'est en 1 000. Pas gagner rien qui va dans 100 personnes, en 200 personnes en Chili. Ça veut dire que vraiment difficile. Imaginez, on fait un an, 6 mois en Chili, pas réaliser rien. Je me retourne dans le pays, c'est ça qui est plus important. Je me dégage un objectif, je me sortir, je me dépenser, ça t'est mieux. Et ça me dépenser assez pas ça, je choisis de retourner dans le pays. Alors, où est l'autre plan, bataille, pour sortir dans la vie quand même? Bon, le plan est très simple, parce que je fais 23 ans dans le pays, et je me vivre normal, je termine l'étude, je fais université. Parce que dans moins que un homme vive dans l'autre pays, je me sens pas à l'aise. Parce que le plan, c'est toujours le même plan. Je me rêve dans le pays, mais puis je me tourne, parce que n'importe qui ça y m'a réalisé le projet. Bon, et je ne vais pas dire que Chili était mal, parce que son pays qui est organisé, il y a l'État, il est solide, sauf que je ne vais pas mettre le système. Le système n'est pas bon pour nous, même haïtiens, parce que nous, noirs, nous ne pouvons pas parler langue, et surtout, nous avons un visa touriste dans nous. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas encore mieux si haïtiens qui parlent Chili, tu as essayé de chercher à comprendre le problème qui cause haïtiens à quitter Chili, rentrer dans le pays. Ok, au lieu que vous restez là pour parler Chili mal, je ne vais pas mettre. Parce que nous-mêmes, nous avons des frères, nous avons des soeurs qui restent derrière. Sauf que chaque monde n'a pas le même rêve. Il n'est pas bon pour moi de choisir d'entrer là quand même. Ok? J'ai 2 ans et demi là-bas, je fais même une année de travail avec 300 000 personnes. Ça n'est pas grave pour moi, j'ai 5 personnes qui vont à l'école là. Ou même qui sont dit tout, est-ce que vous estimez que le pays n'a pas payé nous bien, dans la main d'œuvre nous, ou bien ce travail qui n'a pas gagné tout ça? Pas de travail, pas de travail. Je manque de travail. Je manque de travail pour Haïtien parce que Haïtien est abdominal là. Si je ne travaille pas l'abdominal là, oui. Mais il y a plein de monde qui t'a aimé connaître comment condition yo teye pour nous tout avant que nous monter avion. Et il y a des monde qui dit que le traitement yo pas trop bon, mais ou même qui t'es là qui sont capables de dire. Non, si yo t'es bon parce que rete nous t'apprêter nous pas l'avion tourner la caille nous, parce que c'est bon yo pas bon que nous tourner la caille nous. On monde parce que monde pas capable pour plaisir. Avion pas facile non, et on va pour monter pour plaisir parce que n'importe qui les au café. N'importe mal les arrive. Tout avant que côté jeune avion, hein, qui côté nous t'es? Est-ce que nous t'es fait scalon côté, bon côté que t'es recevoir nous tout ça? Bon, je t'ai mis non l'église. Vous connaissez mon en pile. Je vais pas tout mon tout mettez nous en peu dans l'église. Pour nous faire un lait. Après notre fois là retourner les noms, retrouver nos vignes. Pour même c'est pas une expérience que vous comptez revivre et n'en vivre encore. Non jamais, grâce à Dieu. Pays n'a bon pas mon pays dans le pays, mon cher. T'es accueilli 181 compatriotes nous
qui t'a choisi le départ volontaire pour te quitter Chili pour venir Haïti. Et nous avons avec nous un responsable du ministère des Affaires étrangères, moi j'ai un administrateur ONM qui est avec moi, et encore nous saluer présent sénateur Dumont qui est avec nous là justement pour assurer un meilleur accueil. Mais nous comprenons que c'est un départ volontaire que lié, il n'est pas rentré dans un cadre régulier de déportation. Cela fait que nous pas gagner bon gens accompagnement nous t'es capable porter avec mounio, sinon c'était vinn assister yo là, souhaiter yo bon retour la caillou dans terre natalio, et que maintenant nous yo pral checker dans arrivéant là, n'a accompagné yo jusque dans arrivéant, et nous wegon monsieur là qui pas porter le bien, c'est yo deux, c'est chaise roulante pour yo t'es capable gagner. Maintenant nous prenons note de ça, et que au niveau de l'ONM nous pral envisager pour nous gagner matériel ça tout dans dossier nous yo, pour que les nous gagne ca ça yo, pour nous pas prendre tout temps ça yo, pour pas pour compatriotes ça yo qui besoin en chaise roulante pour yo cap pour nous transporter yo, pour yo pas faire trop temps camper, parce que c'est des moun qui gagne infinité avec yo. Alors, groupe ça yo moun qui au Chili yo, yo pas exactement même situation que moun par exemple qui te prend on nous dit Kante. Mais il faut que nous renforcer l'ambassade d'Haïti au Chili, il faut que nous renforcer l'ambassade en Amérique latine, parce que précisément, c'est nous pas qu'à décharger d'affaires, il faut que le gouvernement connaisse ça, il faut que le président de la République là connaisse que c'est ambassadeur pour le mettre, pour renforcer l'ambassade, pour capable de gagner moyens pour accueillir Mounsayo, régler affaires. Question visa permanent pour nous régler rapidement et pour nous parler en permanence avec les Chiliens pour nous bailler visa. Alors, nous avons une crise sociale et tout le monde qui est allé à nous espérer que nous avons le travail, nous avons le corps pour nous. Eh bien non, il y a retourné. Ça veut dire que c'est un paquet de chômeurs qui retourne dans le chômage encore. Et... Et moi, c'est pour moi que je suis de Chili. On a un grand cousin qui a écrit un barrage sur le téléphone qui dit Pérou vient pour la nationalité à la finale. Pourquoi on est de temps en temps? Nous avons un peu de noir. Peut-être que Pérou vient pour la nationalité à la finale. Pourquoi c'est moi qui ai écrit une petite photo? On a un coup de 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 Mais après, qui ça? Ils ont assisté ou ils ont aidé Chili? J'ai fait un mois dans l'hôpital. Je veux dire que c'est responsable. Je pense que c'est responsable. Je veux que ma famille puisse vous faire des choses pour moi. Ma grande famille qui vous fait un bon. Et ça fait que, bout à bout, je viens de tout le monde qui vient d'accueillir. Vous avez une famille qui vient d'accueillir pendant que vous venez là? Oui, j'ai une famille qui vient d'accueillir. Qui l'a joué? 22 ans. Je viens de vivre dans le pays, je ne vais pas retourner encore.